étiez étudiant en 95, il y avait peut-être 250 élèves dans l'école. En 2005, quand vous avez été diplômé, il y en avait 750 à peu près. Maintenant, il y en a 1650, plus de 200 étudiants internationaux. Donc la montée en puissance a été très, très forte sur une période très courte. Je tiens à remercier Pierre Bachelot, bien sûr, qui a beaucoup contribué à construire et à développer les relations entre l'école et les diplômés. Donc voilà, aujourd'hui, c'est très rare. Demain, en tout cas, c'est de moi qui prendra la main. On a déjà pas mal travaillé ensemble. Je pense qu'on va dans la bonne direction et qu'on va continuer à construire ce qu'on a déjà développé. On a, je vous dis pas tout, mais on a quand même pas mal de projets pour l'association. Je suis donc Benoît Lampen, je suis donc le directeur de Sciences Po Lille à la Fonte du 1er septembre 2015. Les diplômés sont un moteur de l'école et pas simplement des personnes qui sont parties il y a quelques années. Mais mon souhait, c'est vraiment que les diplômés deviennent ou redeviennent des acteurs de la vie au présent de l'école. Je pense que c'est important pour des étudiants que vous veniez dans l'école pour dire que 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, vos carrières, vos métiers, vous les avez tracés grâce au fait que vous êtes diplômé de Sciences Po Lille. Quand on est diplômé de Sciences Po Lille, on n'est pas tout à fait comme les autres, on a une vraie différence, on a des qualités à valoriser.